soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Unahitaji, Bwana. Heri mwanamke aliyekuzaa na kukunyonyesha. Wanaheri wale walisikia neno la Mungu na kulishika. Tufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Msalipo semeni hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamee dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunawasamee wote waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Zamani manabii waliandika katika maandiko kwamba Mungu angemtuma Masihi kuokoa wenye dhambi na kuwapatanisha naye. Maisha ya Yesu yanaonyesha wazi kwamba hakika huyu ndiye mwokozi ambaye Mungu aliahidi kumtuma ulimwenguni. Nabii Isaya aliandika, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Na hivyo ikatokea. Mungu kwa uweza wake alisababisha Maria angali bado bikira kupata mimba na kuzaa mtoto Yesu. Imeandikwa katika maandiko, muujiza wa kuzaliwa kwake ulikuwa ni ishara ya Mungu kwamba mtoto huyu alikuwa ni Masihi ambaye Mungu alimuita mwanae. Watu walipomwona Yesu waliona asili na uweza wa Mungu. Aliponya watu na kuwasamehe dhambi zao na kuwaahidi mahali katika ufalme wake. Yesu alitoa maisha yake na kupata mateso kwa ajili ya watu wote. Kisha alifufuka, akionyesha kwamba uwezo wake ni mkubwa kuliko uwezo wa mauti. Yesu Masihi alisema, nina uwezo wa kuutoa uhai wangu na uwezo wa kuutoa tena. Maisha ya Yesu yalikuwa kama manabii walivyoandika kwamba Masihi angekuwa. Kweli Yesu ni neno la Mungu. Katika Yesu Mungu anajionyesha mwenyewe kwa watu wa ulimwengu huu. Yesu Masihi alisema, mbingu na dunia vitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hapo mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke ili kwamba wangeishi na furaha kwake. Lakini hawakumwamini Mungu na kutii amri zake.
kitendo hiki cha aibu kiliwatenganisha wao na Mungu. Katika maandiko imeandikwa, wote wamefanya dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Watu waliofanya dhambi hawawezi kuishi katika uhusiano pamoja na Mungu. Kama Mungu alivyomtoa kondoo kufa badala mtoto wa Abraham, hivyo Mungu alimtuma Yesu ili afe badala ya uzao wa Adam. Alifanya hivi ili wale wote ambao wanamwamini na kuweka imani yao katika Bwana Yesu waweze kwenda katika uwepo wake. Petro alisema, Yesu ni yule ambaye manabii walitabiri wakisema kwamba Mungu atasamehe dhambi za kila mtu atakayemwamini. Kwa hiyo wale wamfuatao Yesu wataepuka hukumu na wataishi na Mungu milele. Wakati Yesu amefufuka kutoka wafu, alisema kwa wamfuatao, watu watatangaza katika jina langu kwa mataifa yote kwamba Mungu anasamehe dhambi kwa wale wanaomgeukia na kutubu. Yesu alisema pia angetuma Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake ili kuwaonyesha kweli na kuwapa uwezo wa kufuata njia ya Mungu. Wakati mwanamke mwenye dhambi alipotubu dhambi zake na kuanza kumfuata, Yesu alisema kwake, umesamehewa dhambi zako, umeokolewa kwa sababu umeniamini. Yesu alisema watu wanapompenda Mungu kweli ni ushahidi kwamba Mungu amewasamehe dhambi zao. Yesu Masihi aliwaita watu wamfuate. Wakati mhalifu pale msalabani alimwamini Yesu na kuomba kuokolewa, Yesu alisema, leo hii utakuwa nami peponi. Wale ambao wanaamua kumfuata Yesu wanaweza kuanza uhusiano wao naye kwa kutumia sala kama hii. Mungu Baba, wewe ni mwenye haki. Nakushukuru kwamba unanipenda. Najuta kwamba nimetenda dhambi na kutotii amri zako. Nashukuru kwamba ulimtuma Yesu kufa msalabani kwa niaba yangu na kwamba akafufuka toka kwa wafu. Nakushukuru kwamba aliumia kwa adhabu ya dhambi nilizozifanya. Ninakupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba umenisamehe dhambi zangu na umefungua njia kwa ajili yangu kuwa nawe daima. Na kuomba unipe Roho Mtakatifu wako awe nami na kunionyesha njia yako. Anipe uwezo ili nikupende wewe kwa moyo wangu wote na kuishi maisha na kukupendeza. Na watu waweze kukusifu wewe popote ulimwenguni. Amen. Yesu alisema kuhusu wamfuatao, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Wamfuatao Yesu kutana pamoja, wanazungumza naye kila siku, wanajifunza neno lake katika maandiko, wanatafuta kufuata mfano wake, na wanaambia wengine kuhusu yeye. Yesu huwasaidia wao na kuwatia nguvu kupitia uwezo wa Roho wa Mungu ambaye anaishi ndani ya mioyo yao. Wanaweka mioyoni mwao yale Yesu aliyosema wakati akipanda juu kwenye kiti chake cha enzi mbinguni. Mungu amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kuwa na hakika na hili. Nami nipo pamoja nanyi daima hata mwisho wa ulimwengu.